François Guizot, né en octobre 1787 à Nîmes, mort en septembre 1874 à Saint-Ouen-le-Pin, au Calvados, était un historien et homme d'État français, membre de l'Académie française à partir de 1836, plusieurs fois ministre sous la monarchie de Juillet, en particulier des affaires étrangères de 1840 jusqu'à la chute de ce régime en février 1848, devenant président du Conseil des ministres français ou le premier ministre français en septembre 1847. Et il a dû quitter ses fonctions le 24 février 1848, quand la monarchie de Juillet s'est effondrée. Il était connu comme ministre de l'Instruction publique et durant son mandat, la loi de 1833 a été adoptée, demandant la création d'une école primaire par commune et d'une école normale primaire par département. Il était originellement un bourgeois libéral, mais il est peu à peu devenu de plus en plus conservateur, comme le roi Louis-Philippe le Premier.